Il a dû laisser sa place dans le Exactement. championnat finlandais pour la légende Noora Ratu. Eh oui, du coup, donc effectivement, l'expérience finlandaise s'est résumée à deux petits matchs hein, avec le club d'Helsinki. Et elle est revenue donc en région parisienne. Pour les Finlandaises. Allez, attention, parce qu'il y a un 2 contre 1 à ouais. négocier pour les Finlandaises. Et c'est dedans. L'ouverture du score en infériorité numérique. Un mettre au crédit de Petra Nieminen. Pour Julia Likala, la joueuse d'Helsinki. Coéquipière notamment d'Athéna Locatelli. Attention, c'est dedans. Ah oui, attention. Sur le toit du monde l'an dernier, elles ont tout simplement fait. Attention à ce palais qui reste. Ça va aller au fond. Aïe, 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 le quatrième but. On parle même pas des championnats du monde moins de 18. Ouais, c'est ça. C'est une nation majeure. Aïe, 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 là encore. C'est lancé qui vient trouver la cage. Ah. Ce sera à 21h heure française. Et puis le Canada, après, ce sera dans la nuit. Qui affrontera la Suisse. Oh, c'est dedans, c'est dedans. Décidément, l'entame de ce groupe B. Attention, encore une fois. On n'a pas trouvé. Voilà, il va falloir jouer tous les coups à fond ouais. avec Chloé. Allez. Très bon le lancer de Chloé. Et le but de Estelle Duvin, c'est formidable. Voilà. Superbe. Première occasion. Aurard qui est allé au bout de son action là. Et qui le rebond parfaitement pris. Et bien voilà, quasiment sur la première opportunité au retour des vestiaires. Ça là. Les garder à l'extérieur de l'enclave. Attention encore une fois à ce palais oh. L'action jusqu'au bout. Et Jenina Linund qui vient se fendre d'un doublé. La numéro 28. Outrageusement. Mais voilà, c'est quand même de l'expérience emmagasinée justement Exactement. Pour notamment les jeunes, la jeune génération. Tout à fait. Qui vont constituer oh, super. La Cette supériorité super. Numérique et 43 secondes à faire dans la période. Ce serait l'illustre carrière. Et voilà, c'est fait, c'est très bien fait de la. Oh, dommage. Aïe, 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 aïe. Deuxième but encore plus loin dans l'histoire au niveau des records. Ouais, malgré la défaite en temps réglementaire, les coachs s'étaient mis d'accord pour jouer une prolongation. Pour jouer ça, une hein. prolongation, oui, tout à fait. Et qu'on voit le 12e. Du premier tiers, hein, ouais, c'est ça. Entre guillemets. Depuis le début du match. Ouais, elle pas, il faut qu'elle se. Pas prendre de oh. but. Voilà, bah, il suffit. Voilà. Tout à l'heure, c'était vous. Ouais, pour le coup, c'est dans le dos comme ça. Oh là 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 là, là c'est dedans. Ça vaut ouais, c'est dedans, mais Caroline Lambert, voilà, on voit les Finlandaises qui ont continué à jouer tout le long du match. Elles ont mis 14 buts, mais ça prouve aussi qu'elles nous respectent. Donc, c'est ce qu'il faut. Elles ont continué à jouer effectivement jusqu'au bout. L'entrée en matière donc par une défaite pour l'équipe de France. Domination nette et sans partage des Lyon finlandaises 14 à 1.